Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon âme bénit ton nom ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Papa. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa. Merci pour nos vies. Merci pour nos activités. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Papa. Sois élevé au cœur des cieux. Sois magnifié de toi. Sois adoré au nom de Jésus. Ce soir, bien-aimé, tu vas prendre une position d'humilité et tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander pardon pour tous les manquements, pardon pour tout ce que tu as fait et qui n'a pas honoré sa parole. Tu vas lui demander pardon ce soir. Tu vas lui demander pardon. Humilie-toi ce soir et demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon pour toutes tes fautes. Pardon pour tout ce que tu as fait et qui n'a pas honoré. Tu vas lui demander pardon, élève la voix et demande pardon à Dieu. Père, ce soir, je te demande pardon. Pardon, Papa. Je te demande pardon pour la désobéissance, Papa. Je te demande pardon, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait, Papa. Pardon pour la confiance, Papa. Je te demande pardon, Papa, parce que j'ai dormi avec la colère. Je te demande pardon, Seigneur. Ah, Papa, je te demande de me pardonner toute fois. Demande pardon à Dieu. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon ce soir. Père, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je te supplie, pardonne-moi, Papa. Que mes péchés, Papa, ne me détournent pas de ta face. Que mes péchés ne me détournent pas de toi, si tu es Père de Dieu. Je te supplie, Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Ce n'est que toi, Papa. Ce n'est que toi, Papa. Ce n'est que toi, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Seigneur. Je te demande pardonne-moi. Ramachanta, Papa, 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 Papa. Que ton sang nous purifie, pour laver tout péché, pour laver.
Bien aimé, ce soir, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. La Bible déclare là où deux ou trois personnes sont assemblées en son nom, il est présent. Ne regarde pas au monde ce soir, parce que ta prière peut décompter des choses. Amen. Ta prière peut décompter des choses. Donc, bien aimé, ce soir, tu vas te tenir debout. Et tu vas prier pour que le ciel soit ouvert ce soir. Tu vas prier pour que l'atmosphère soit dégagée. Amen. Tu vas prier avec ferveur pour que l'atmosphère soit dégagée. Afin que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu, soit chassé au nom de Jésus. Tu vas prier pour que les anges dégagent tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est assouplissement, tout ce qui est distraction au nom de Jésus. Et tu vas prier pour que toutes les attaques seront en retour à l'envoyeur. Et là, travaillez par les mains en priant ce soir. Prie, prie, prie avec lui. La baba, baba, chante, la baba, baba, baba. Amen. Amen.
Tu vas prier ce soir pour réclamer tout ce qui est à toi. Amen. Que tout ce qui t'appartient, qui a été volé, qui a été bloqué quelque part, que ce soit par les liens de famille, par les esprits de famille, ou par une parole, une mauvaise parole qui a été prononcée, tu vas prier pour récupérer. Amen. Parce que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les cerveaux et les scorpions. Et sur toute la puissance du diable, rien ne pourra nous nuire. Amen. Donc de ce que tu es devenu enfant de Dieu, tu as le pouvoir de récupérer tout ce qui t'a été volé. Amen. Ce soir, bien-aimé, tu vas prier en battant les mains pour récupérer toutes tes richesses, pour récupérer toutes tes bénédictions dans le corps de l'ennemi ce soir. Tu vas prier et lève ta voix. Commence à prier ce soir pour réclamer, pour récupérer tout ce qui t'a été volé. Commence à prier ce soir. Prie, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, racata bayanti, ébrachata ba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 . Père, au nom de Jésus, je récupère ce soir. Je récupère tout ce qui m'a été volé, papa. Par les cœurs des ténèbres, au nom de Jésus, racata ba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 b
une situation dans laquelle il t'a sauvé, tu vas lui dire merci. Tu vas lui rendre toute la gloire qui lui revient. Tu vas lui rendre toute la gloire qui lui revient. Tu vas lui rendre tous les honneurs. Tu vas lui rendre toute l'adoration qui lui revient de toi. Tu vas lui rendre toute l'adoration qui lui revient de toi. La Bible déclare que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. Alors toi, toi qui es créé à l'image de Dieu, toi qui es créé à son image, ce soir tu vas élever la voix et tu vas l'adorer. Tu vas lui rendre toute l'adoration. Tu vas lui rendre toute l'élévation. Tu vas lui rendre toute l'élévation. Réti prochite via baba chita prochite. Rata rachanta baba 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 baba. Moi je le connais sous le nom du lion de la tribu de Judas. Moi je le connais sous le nom du prince de paix, sous le nom du maître par excellence. Et toi, dis-lui comment tu le connais. Comment tu le connais. Si c'est tu le connais sous le nom du Dieu victorieux, du Dieu vainqueur, du Dieu puissant dans les combats de ton papa. Tu vas lui dire ce soir, tu vas lui dire ce que tu penses de lui. Tu vas lui montrer tout l'amour que tu ressens pour lui. Tu vas lui montrer tout l'amour que tu portes à son égard. Rite bochi, tababa, tante, rite bocha, 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 rite Oh,
Yeah.
reign is on thee. I am to be the Lord. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main étendue. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Nous te bénissons et te sommes reconnaissants. C'est toi le véritable Dieu. On nous a parlé de plusieurs dieux, mais en réalité, papa, c'est Dieu qui n'a pas créé le monde. C'est toi le véritable. C'est toi le véritable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le véritable Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ta majesté de roi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu le Seigneur? Agaro, Chagadabé. Ce soir, tu sais, c'est toujours une grâce et un privilège de nous tenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu lui dis bonne arrivée. Bienvenue dans la présence de Dieu. Salut quelqu'un, bouge, déplace-toi, salut quelqu'un. Merci, c'est Esprit. Jésus, ton Seigneur, mon Dieu,
Amen. Acclame bien et assez de bonnes en présence. Sois béni, grâce. Amen. Alléluia. Bon, vous savez, ça devient compliqué parce que en semaine, la plupart de mes enfants sont en train d'avoir travail, travail. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est compliqué. Amen. Bon, on prie pour que Dieu. On prie pour que Dieu ouvre les portes, mais après, maintenant, ça devient compliqué. Vraiment, en tout cas, actuellement, là, on est une phase où on a besoin des gens qui chantent. Donc, si tu sais chanter et tu ne veux pas chanter, je prie. Dieu se révèle à toi. Et que Dieu te dise qu'il n'est pas content. Amen. Bon, maintenant, si tu ne sais pas chanter, que tu aies chanté aussi, on va te dire. C'est Dieu qui va te dire. Et grâce et tout. Amen. Amen. Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Père, je me soumets en tes mains. Prends contrôle de toutes choses, dispose toutes choses de manière favorable. Glorifie ton nom car tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Dites-moi merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu réalises quand tu dis merci Seigneur que c'est à Dieu que tu dis merci? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton grand amour. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi seul, papa. Amen. Je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui jeudi. 4, c'est ça, non? 5. Ah, bon. Nous sommes aujourd'hui jeudi 5 septembre, par la grâce de Dieu. Et dans pratiquement 3 mois, 3 ou 4 mois, on sera en décembre. Dans 3 mois, on sera en décembre. Donc, c'est ça, non? Donc, il y a des gens qui ont commencé à faire leur bilan. D'autres ont commencé à jeter le manche pour dire, bien sûr. Ça, c'est un septembre qui ressemble au septembre de l'année dernière. Donc, mon cher, quand ça arrive à ce niveau-là, on sait comment ça finit. Dis à quelqu'un si c'est comme ça que tu penses. Dieu n'a pas encore dit son dernier. Dieu n'a pas encore dit son dernier. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui te laisse tomber ou qui te dit qu'il ne faut pas croire. Non, il faut continuer à croire, quelles que soient les situations et les circonstances. Amen. Je vais dire que mon fils Vincent qui est là. Donc il ne peut pas bien agir. Amen. Ah, son témoignage me fascine chaque fois. Amen. Tu vas prendre la Bible dans Malachie chapitre 3. Alléluia. Je veux vraiment que tout le monde soit concentré parce que Dieu va nous aider ce soir. Qui a passé une bonne journée? Qui a passé une bonne journée? Bon, elle peut être fatigante. Mais au moins, c'est une bonne journée. Moi, je dis, ça n'a pas été facile. J'étais pratiquement seul, heureusement que Désir est venu m'aider. Amen. Non, mais quand je bénis, j'ai pensé, quand tu pries, et puis il y a des résultats, les gens commencent à travailler autour de toi. C'est bon, mais il faut trouver encore d'autres alternatives. Vraiment. C'est-à-dire que l'exaucement te crée un problème. Mais si tu as quelqu'un côté de toi que tu exauces, il y a un vide. Donc, il faut chercher quelqu'un d'autre. Et la plupart des personnes qui viennent travailler avec moi, secrétariat, il y a toujours travail. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ça. Amen. Ce soir, nous parlerons du vêtement de richesse. Tiens avec moi le vêtement de richesse. Le vêtement de richesse. Vous savez, là, il y a plusieurs jeudis, on a parlé du vêtement de Caïn. C'était jeudi ou dimanche? Dimanche, ok. On a parlé du vêtement. Et les jeudis, on a parlé de quoi? Mara, ok. Je suis, c'est bon. Et les dimanches, on a plutôt les jeudis, on a parlé de Mara. Mara qui signifie quoi? L'amertume. Mara qui fait allusion à tout ce qui est désespoir,
à tout ce qui est désillusion et tout. Et on a vu Mara, et de Mara, on a vu Élie, et on est allé encore de l'avant. Et aujourd'hui, nous continuons, nous sommes un nouveau mois, et nous continuons la même peine, mais cette fois-ci, nous parlerons du vêtement de richesse. Je prie que tu sois revêtu du vêtement de richesse. En réalité, ce vêtement est déjà là. Amen. En réalité, écoute-moi. Parce que si je dis que je prie que tu sois ce qui n'est pas encore là, et c'est comme si tu vas te dire qu'il faut que tu luttes pour que ce vêtement. Le vêtement est déjà là. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il a fait quoi? Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc, le vêtement est déjà là. Mais le problème, on n'arrive pas à vivre. On n'arrive pas à faire quoi? À bénéficier ou quoi? À vivre ou à manifester cette richesse dont tu vois. Amen. Et ce soir, nous voulons nous efforcer, jeudi après jeudi dans le mois de septembre, d'aller dans cette grâce, cette dimension. Amen. Je suis convaincu que Dieu va nous aider par sa grâce. Alléluia. Amen. Tu vas prendre Malachie chapitre 1 et chapitre 3, pardon, en particulier verset 1. Amen. Tu sais, l'une des choses qui fait que la richesse n'est pas manifestée, il y a une chose qui fait que la richesse n'est pas manifestée. Je vous dis la vérité. Tu peux avoir entendu Dieu te dire, je vais t'enrichir, te bénir. Tu peux avoir entendu Dieu te dire de bonnes choses. Mais cette parole de Christ ne va pas se manifester. Pourquoi? Parce que simplement tu envies les méchants. Amen. Tu envies qui? Les méchants. Ou encore le méchant. Mais qui est le méchant? Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui prospère dans sa voie sans l'éternel. Alléluia. Qui est le méchant? Le méchant, c'est celui-là même qui semble réussir ce qu'il entreprend. Le méchant, c'est celui qui semble, dans la vie, semble marcher. Parce que tu le regardes, il a beaucoup de voitures, il a beaucoup de biens, tout va bien chez lui. Tu dis, ah Seigneur, vraiment, j'aurais souhaité que ma vie soit comme ça. Voici des gens, on sait ce qu'ils font. Ils sont dans les bureaux de travail, soit ils sont à la fonction publique, quand tu veux passer les concours, on sait ce qu'ils font, ou bien quand tu veux ceci, cela, on sait. Ça, c'est le méchant. C'est celui qui ne marche pas selon la voie de l'Éternel, mais qui fait tout ce qui est faux pour obtenir des causes. Donc tu peux le voir réussir dans sa voie, ou du moins tu peux avoir l'impression qu'il réussit dans sa voie. Écoute-moi. Ne qualifie pas la réussite à partir de ce que du matériel que les gens ont. Parce que si c'est ça la réussite, c'est que Jésus a échoué là-bas. Alléluia. Si la réussite se détermine à partir de ce que tu dois faire, mon ami, c'est mieux que j'y travaille. Non, oui ou non? Si la réussite se qualifie ou se détermine par le fait d'avoir des grosses villas, de grosses maisons, d'avoir tout ce que le monde désire, il y a des gens qui ont ça, mais qui n'ont pas la paix de Dieu. Oui ou non? Il y a des gens qui ont ça, mais qui n'ont pas la joie que tu dégages. Il y a des gens qui ont ça, mais qui ne sont pas heureux ou heureux. Regarde le monde. Quand tu regardes un peu les gens en Hollywood, plutôt Hollywood aux États-Unis, quand tu as ces informations et tout, tu as réalisé qu'il y a des personnes, hein, les acteurs. Aujourd'hui, il est marié, deux semaines après, il a divorcé. Après, il est marié, trois mois après, il a divorcé. Après, il est marié, tu as l'impression que c'est facile. D'aller se marier, il divorce. Il se marie, il divorce. Ou du moins, tu apprends que tel milliardaire avait l'argent, il allait, elle était fâchée, elle s'est levée, elle a pris son enfant, elle a tué, ou bien elle a se. Tu vois, les méchants, en fait, tu appelles ces personnes les méchants. Le méchant, ce n'est pas celui qui dit je te partage pas mon pain. Non. Le méchant, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Qui utilise ses propres voies pour s'enrichir. Est-ce qu'on me suit? Et la Bible dit n'envie pas le méchant.
Dis à quelqu'un, il ne faut pas les envier. Ça peut être ton collègue au travail qui, vous avez le même salaire, mais il a 4 voitures. Ah, il fait comment? Vous avez le même salaire. Alléluia. Mais il a des, il a tout. Pourtant, mais on a les mêmes avantages. Mais comment tu fais? Il va te dire, ah Joe, chacun se cherche. Ou bien, chacun son couloir. En tout cas, si tu veux être riche, j'ai mon couloir. Bon, c'est quel couloir? La richesse, ce n'est pas dans le couloir. Mais le couloir, ce n'est pas tout le monde qui prend le couloir. Pourquoi pour toi, c'est dans le couloir? Amen. Écoute-moi, la Bible nous dit que Dieu nous a bénis. Le problème, des fois, on ne réalise pas la bénédiction. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas activée. Amen. Des fois, tu ne réalises pas. Parce que pour nous, la bénédiction, ça va 10 millions. Ce n'est pas mauvais, c'est une bénédiction. Mais il y a des gens 10 millions. Hein. Ce sont petits déjeuners. Des fois, tu peux même que tu mettes de bonnes santé juste pour voir comment tu vas gérer afin que le vrai arrive. Mais très souvent, quand le peu arrive, déjà, ton gros cœur est monté. C'est maintenant que les gens vont comprendre que toi, tu as l'argent. En fait, c'était juste des tests. Amen. C'était juste un test. Écoute-moi, le peu que tu as, si tu n'arrives pas à bénir, d'ailleurs, pourquoi très souvent, on se plaint de ce qu'on a? C'est parce qu'on regarde d'autres. Oui ou non? Sinon, attends, tu te plains par rapport à qui? La plainte est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Je me plains que je n'ai pas mangé. Ce qui me dit, je sais que tu peux avoir mangé, je n'ai pas mangé, mais il y a d'autres qui mangent. Pourquoi moi je ne mange pas? Mon salaire est petit. Pourtant, j'ai vu qu'il y a une augmentation. Bon, tu te plains, c'est par rapport à quelqu'un. Or, Dieu dit, n'envie pas celui qui semble réussir. Amen. Écoute-moi, lorsque Dieu veut t'enrichir, lorsque Dieu veut enrichir, Dieu demande à ce que déjà toi et moi, nous puissions considérer et bénir Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie et dans ma vie. Écoute-moi, si tu n'es pas reconnaissant, la bénédiction dans le psaume 50, que Dieu se nourrit de nos reconnaissances. Si tu n'es pas reconnaissant pour le peu, écoute-moi bien, si tu n'es pas reconnaissant pour le peu, Dieu aura du mal de donner beaucoup. Non, j'ai dit la vérité. Si tu n'es pas reconnaissant, même dans le monde, les féticheurs, il va te dire, moi j'ai prié un jour pour une dame. Mais ça, c'est la stupidité chronique. Elle n'est pas intelligente. Non, mais elle est morte. Je vais t'expliquer. J'étais en évangélisation à Yamsogo. Et j'ai prié, je suis arrivé sur ta main. Je pensais à prier et Dieu avait besoin. Mais je vois ta soeur. Quelqu'un qui est couché chez toi à la maison, c'est qui? Elle, c'est sa soeur. Elle est malade. Il dit, ok, monsieur m'a mis à cœur, va prier pour elle. Le lendemain, je vois, je suis allé prier pour ça, Yamsogo. J'arrive, la soeur est couchée. Ça fait 2 semaines, elle ne mange pas. Quand elle ne mange pas, et souvent quand elle ne mange pas, c'est qu'il avale un peu. Elle n'avale rien. Depuis 2 semaines, quand ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Elle met l'eau, ça sort. Elle dit, bon. J'ai prié pour elle. Sur le chemin, il faut manger. Elle a mangé, Dieu l'a fait grâce. Dieu l'a visité. Elle s'est levée. En tout cas, Dieu l'a dit. 3 jours après, la malade m'appelle. Elle est dans le village. Parce que il y a un problème parental où il devait régler en envoyant un mouton. Elle est devant envoyer sa partie, elle n'a pas envoyé. Donc elle s'en va envoyer. Elle est morte. En fait, c'est pas qu'elle est mouton. En fait, en réalité, c'est quoi? Elle était allée honorer et exprimer sa reconnaissance ou encore honorer un engagement qu'ils avaient pris. Je lui ai dit, mais tu n'as aucun lien. Ça ne te regarde plus. Tu as accepté Jésus, tu n'es plus dedans. Elle est partie, elle est restée. Écoute-moi, même dans le monde, les gens essaient quand même d'honorer ce qui est négatif. Ou encore, à la limite, tu vois souvent des gens qui disent, tel marabout a fait telle chose pour moi, il faut que je le sois reconnaissant pour ne pas que... Mais attends. Si un marabout a fait un travail pour toi, mon ami, ici, il y a des gens qui voyaient marabout, pourquoi tes jeux les dangereux? Il y a des gens qui voyaient féticheur, pourquoi tes jeux les dangereux? Si tu n'as jamais lu là-bas, tu as consulté l'horoscope, c'est la même chose.
D'autres même pas se viennent taper pour le dépistage. Vous êtes moins cher sur la poussée. Et le truc, c'est quoi? Tu as dû faire des choses dans le passé. Si tu as eu à considérer le passé et que le marabout t'a dit envoie mouton et tu as accepté Jésus, tu ne lui vois plus rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, dans le passé, on a fait si. Dans les questions, on n'a pas tout le monde à mourir. Mon ami, si eux, ils sont morts, c'est qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Toi, tu n'es plus concerné. 2 Corinthiens 5, 17. Si une personne est en Christ, il est une, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en train de dire ce qui s'est passé. À ses yeux, ça n'existe plus. Tu dis pas amen. Amen. J'ai envie de dire, il y a des menacés pour dire, j'ai venu faire médicament, j'ai aidé il y a 15 ans en arrière. J'ai dit, mon ami, 15 ans en arrière, la personne est morte. Ce n'est plus moi, au nom de Jésus. Amen. 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 Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que, tu sais, l'une des choses que Dieu honore dans la richesse, l'une des choses qui active la richesse, c'est la reconnaissance. Arrête de comparer tes avoirs à l'autre. Tu ne sais pas quel est le chemin, le couloir qu'il prend. Amen. Il y a des gens, Dieu peut te bénir, te donner des choses. Et le même Dieu peut décider que tu reviennes à zéro afin que tu te prépares maintenant à avoir les vraies richesses. Mais le problème, des fois tu vas pleurer parce que tu te dis, oh, comment Dieu m'a fait descendre? Non, des fois Dieu te ramène afin de mieux t'envoyer. Mieux non? Des fois Dieu te descend afin de mieux te préparer. Des fois Dieu enlève le peu que tu as. Tu dis, mais il veut te donner. En fait, je vais vous dire une chose. Quand Dieu estime, et il retient ça, quand Dieu estime que tu es passé à un autre niveau, il enlève ce qui est dedans. Quand Dieu estime que tu es monté, tu es passé à un autre niveau, ce qu'il fait, il enlève l'ancien. C'est pourquoi tu vas avoir l'impression que tu peux traverser une période bizarre. Mais Dieu t'a enlevé. On appelle ça émondé. Il enlève afin de manifester le meilleur. Il est pur. Il rend ça encore meilleur. Mais quand tu ne comprends pas, tu pleures. Il dit, mais pourquoi il pleure? Dieu délivre Israël du désert et de l'Égypte. Il envoie au désert. Il veut le faire passer par les eaux du baptême. Israël ne comprend pas. Dieu leur fait vivre une dernière fois. Il leur fait voir Pharaon pour la dernière fois. Mais quand il voit Pharaon, il pleure. Il dit, non. Je suis en train de vous préparer à ne plus jamais revoir le même problème. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Et tout bon, la galère que tu vis n'est pas forcément le diable. Amen. Non, je veux que tu dises à quelqu'un, la galère n'est pas forcément le diable. Amen. Non, je te dis, parce que si tu vois le diable partout, quand la galère va passer, tu auras l'impression que où? Il y a vous dit une vérité. Il te dit une vérité. L'Égypte, la mer rouge, il la traverse une seule fois dans la vie. Non, c'est clair. Dans la Bible, je n'ai pas vu quelqu'un traverser la mer rouge deux fois. Tu es censé la traverser une fois. Il y a des difficultés que tu ne vivras plus dans ta vie. Amen. Non, c'est clair. Ça ne vivra plus jamais. Parce que tu as appris la leçon de 1, de 2, parce que tu t'as fait passer. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes que tu as déjà vécu, tu ne verras plus. Et tout bon, le diable ne va pas te dire qu'il faut fumer. Il sait qu'il ne peut plus. Oui ou non? Donc, s'il t'arrive à le faire, c'est que pour toi, tu dois revoir ta vie chrétienne. Et la chose, Satan sait qu'il va coucher, il ne pourra pas venir te dire, va coucher avec telle personne, va te prostituer. Il sait qu'il ne peut pas, mais il va trouver un autre moyen. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre ce soir, c'est qu'en réalité, tu ne dois pas faire quoi? Envier celui qui, à tes yeux, semble prospérer. Pourquoi il dit sans prospérer? Parce que si cette prospérité qu'il a, amen, si cette prospérité qu'il a, si cette prospérité, amen, non, faut pas dire, ma femme, c'est ma partenaire, amen. Et tout le monde, si cette prospérité que la personne a n'est pas de Dieu, ce qui va se passer sur la terre, elle va rayonner, mais c'est l'enfer de la terre. Non, j'ai la vérité.
N'envie pas quelqu'un qui semble, je dis, de qui sa vie semble rayonner. C'est-à-dire qu'il rayonne, ça va, tout va bien. Quand tu le regardes, waouh! Hé, hey, Jésus, regarde la peau là. Elle a les vrais sacs, les Louis Vuitton, les Gucci. Il y a comment son mari l'a fait. Et puis en ce moment, tu passes à ton mari, puis tu vas voir le mari. Tu dis, hé, hey, mon mari, tu n'as pas vu comment? Regarde la fait, elle. Et là, c'est Jésus. Et là, c'est comment elle a bien. Son mariage me prend son aide. Mon ami, est-ce que tu sais? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Tu dis, non, non, chacun son truc. Ok, c'est chacun son truc. Moi, mon truc, là. Moi, pour moi, mon Jésus, là. Même s'il ne donne pas tout un coup, au moins, il me donne la vie éternelle. Amen. Au moins, je sais que j'ai la vie divine. Il ne faut jamais. Tu sais, quelqu'un ne trompe pas ta vie chrétienne. Il ne faut pas troquer ta vie chrétienne. Il ne faut pas troquer ta vie chrétienne. Non. La Bible dit, ce n'est pas plus d'or ni d'argent qu'on vous a racheté. Mais c'est par le sang précieux de Jésus. Il n'y a aucun matériau sur la terre, aucune pierre précieuse n'est capable de valoir le sang précieux de Jésus. Amen. Il n'y a aucune chose sur la terre. Écoute-moi, le mariage n'a pas la valeur du sang. L'argent physique n'a pas la valeur. Toute la terre réunie, ils ont proposé tout à Dieu. Il dit non, il faut le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quand Satan tenait l'homme captif, il a dit non, l'argent, ça n'a pas la valeur. Je veux le sang innocent. Tu ne peux pas toquer. Ne fais pas comme Caïn qui, à cause, non plutôt comme son Esaü, qui, à cause de lentilles, plat de lentilles, si tu veux, plat de. C'est comme, comment on peut dire? Haricot, à cause de. Ah, haricot. Il dit si tu veux, il faut être grand frère pour 24 heures. Moi, il est faim. Il a fait bien, c'est plus mourir, tu me dis grand frère. Dieu a été touché dans son âme. Ne troque pas. Ne vends pas ta dignité à cause de l'argent. Mais encore, c'est chaud. J'allais voir un gars, on va coucher ensemble, on donne l'argent. Bon, si tu donnes 10 millions, combien il a pris? Quand il te va te donner 10 millions, toi, tu es content. Mais s'il accepte le 10 millions aussi facilement, combien lui il aura pris? Dès qu'on le vêtement de richesse. Le vêtement de richesse s'active, un, par la reconnaissance. Sois reconnaissant à Dieu pour le peu. Et tout le monde, à force de maudire les 500 que tu as, maudire, ça veut dire quoi? À force de regarder tes 1000 francs, hé! Voilà, il y a des gens même, ils font rien dans l'argent, moi c'est petit mille. Tu as pu les fermer la porte à l'argent. Non, j'ai la vérité. Ah. Donc là, beaucoup d'argent m'a donné 5 000. Alors, il y a fait quoi 5 000. Béni Dieu. Tu n'avais pas 5 000, tu as eu 5 000. Exprime ta reconnaissance. La reconnaissance à Dieu pour le peu amène Dieu à multiplier. Regarde dans Jean 6. La Bible dit que Jésus est là avec les disciples. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y a un enfant qui vient avec 5 pains de poisson. Quand Jésus entend, André dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. Quand Jésus entend ça, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que Jésus dit, faites-les asseoir en ordre et automatiquement, il fait quoi? Il rend grâce. As-tu appris à rendre grâce pour le peu? Des fois, tes affaires sont bloquées. Et puis tu dis, mais Seigneur, au lieu de rendre grâce et prier pour savoir comment débloquer, tu vas voir que tu as commencé à te plaindre. Ah Seigneur, j'aurais voulu que ce soit beaucoup, mais c'est rien. C'est la même là. Non! Arrête, Jacques, arrête. Arrête de plaindre pour le peu. Pour le peu. Aujourd'hui, ça ne va pas marcher, mais au moins, quelque chose est rentré dans la grâce. C'est un vêtement. Imagine, il y a des vêtements, tu portes un habit pour aller à un rendez-vous, mais l'habit est forcé. On ne va pas te prendre au sérieux. Parce que je l'ai même pour repasser, c'est au moins 100 francs, 50 francs, etc. Mais si tu repasses, même si tu n'as pas l'argent, on te prend au sérieux. Amen. Quand tu commences à honorer Dieu, lui dis merci pour le peu, tu estimes qu'il faut qu'il multiplie.
La reconnaissance engage la multiplication. Non, je vous dis la vérité. La reconnaissance engage la multiplication. Quand tu lis la Bible, dans Genèse, chapitre 1, verset 26, 27, 28, quand Dieu bénit l'homme, après Dieu les bénit en disant, soyez quoi? Féconds. Ensuite, allez multiplier. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Mais est-ce que tu sais qu'à chaque étape, il y a la gratitude? Sois fécond, rends grâce parce que je suis fécond. De la fécondité, tu vas passer à la multiplication. De la multiplication, tu vas aussi passer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. De la multiplication, tu vas passer au remplissage. Du remplissage, tu vas passer à quoi? À l'assujettissement. L'assujettissement, la domination. Il y a toujours un élément qu'on te dit là-bas, qui est toujours au milieu. Lorsque tu lis, par exemple, Jean 1, 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ce qu'ils croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais qu'il y avait avant le 12, il y a le 11? Le verset 11 de Jean 1 dit quoi? Il est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu vers les juifs ne l'ont pas accepté. Mais entre le verset 11 et le verset 12, il y a l'histoire de la croix. Pour que le verset 12 s'écrit, il a fallu qu'il y ait la croix. Si tu n'es pas reconnaissant, Dieu ne te montrera pas l'étape. C'est la reconnaissance qui fait que Dieu t'amène à la prochaine étape. Je t'assure. Écoute-moi bien. Prends un temps. Laisse les gens de Facebook qui te disent que tu as mis 2000 francs par jour. Si tu mets 200 francs par jour, quand tu fais les calculs, mon ami, il faut même avoir pour mettre. Parce que tu ne peux pas 200 francs une semaine. Avec 200 francs, dans ta poche, ça ne bouge plus. Maintenant, comment faire pour multiplier ça? Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que la parole me fait du bien? Amen. Verset, pardon. On n'a pas encore lu, non? Mais on avait déjà lu. Ok. Malachie 2, 17. Après, on va entrer au verset 3. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Tu vois, les gens disent, ils se plaignent de Dieu. Ah Dieu, ceux qui font le mal, là, et ils prospèrent. Ils sont là, mais ils font, mais Dieu, tu les vois, mais tu ne réagis pas. Verset 1, chapitre 3, verset 1, maintenant, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera fondant et purifiera l'argent. Et purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et il présentera l'Éternel des offrandes avec justice. Ok. Amen. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Ok, je t'explique. La Bible dit, puisque vous vous plaignez, j'envoie mon messager. Amen. J'envoie mon messager. Qui va venir préparer le chemin devant moi. Bon, ça, quand tu lis ça, tu penses déjà à Jean-Baptiste. Qui est venu préparer le chemin du Seigneur, et ainsi de suite. Et soudain, en tournant dans ce temps, tu sais, Dieu, faisant allusion à cela, il parle de sa venue lui-même. Amen. Il parle de sa venue dans le monde. Il envoie quelqu'un qui va venir préparer le chemin du Seigneur, afin que lui-même puisse venir et puis entrer dans son temps. Amen. Mais je ne veux pas, je veux laisser le cadre du vêtement des richesses, que tu comprennes. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, j'étais les amis. Qui pourra se dire ça? Ok. Maintenant, écoute-moi, Dieu te dit qu'il vient. Il vient te visiter. Écoute-moi bien. Je vais aller terre à terre.
pour qu'on puisse comprendre et puis qu'on puisse avancer. Alléluia. Il dit au verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. Quand il dit qui restera debout, il dit les méchants ne seront plus là. Tu sais, il y a un temps où Dieu vient rétablir l'ordre divin. Non, tu ne dis pas bien, mais. Il y a un temps où Dieu vient rétablir l'ordre. Il y a des gens qui, à tes yeux, sont prospérés. Parce que depuis, tu n'as pas encore vu Dieu intervenir. Mais Dieu te rassure que lui vient intervenir. En fait, des fois, tu as l'impression que autour de toi, les gens peuvent prosperer et puis ils se moquent de toi. Tu dis, il dit, ah Dieu, tu prends plaisir aux méchants. Regarde, ils font le mal, ils font n'importe quoi. Mais ils avancent. Mais nous qui sommes censés marcher dans la justice, nous qui marchons dans le droit, nous qui appliquons ce qui est bien, on crie à toi depuis, on n'a pas de. On n'a pas gain de cause. Dieu dit, je viens. Et quand je viens, je vais manifester ma gloire. Ce que je te fais comprendre ce soir, c'est que toi qui es enfant de Dieu, qui crie à Dieu, l'Éternel te dit et te rassure que lui, il vient afin que tu expérimentes sa gloire. Et quand on dit qu'il vient, toi dis, ah, il vient comment? Écoute-moi, quand Dieu vient, on ne te parle pas là du retour de Jésus, on te parle de la manifestation de Dieu qui vient au travers d'un homme pour ouvrir la porte devant toi. Bon, j'aimerais que tu ne me comprends pas bien. La Bible dit, je réponds. Il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il peut parler le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit-il, les amis. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Quand il dit qui restera debout, il est en train de répondre à celui qui parlait aux méchants, qui parlait des méchants. Il est en train de dire, vous avez parlé de ceux qui ne marchent pas selon Dieu et qui tiennent et qui ont tous les milliards. Mais quand lui il arrive, c'est pour te présenter toi. Bon. Ok. Il dit le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient. Il sera comme le feu du fondeur. Oh my Jesus. Comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. En fait, Dieu est en train de dire, il y a un temps qui est arrivé où Dieu va faire passer tous ceux-là même qui pensaient marcher avec lui, qui ne marchaient pas avec lui. Il va les faire passer par le feu d'une preuve qui va détruire l'argent. Ou bien c'est, il faut que je divinie un peu. Il dit, il sera comme le feu du fondeur. En fait, Dieu dit, il vient. La gloire de Dieu arrive. Quand cette gloire arrive, tu vas tellement rayonner qu'on ne verra plus cela même. Amen. Ah, ben voilà, maintenant, toi qui dis la même chose sous une autre forme. Alléluia. Ce qui signifie, si dans la famille, écoute-moi, je viens déclarer sur la vie de quelqu'un, il y a des transferts de richesses qui vont se faire. Il y a des transferts de richesses. Quand Dieu dit le vêtement de richesse, Dieu est en train de dire, il y a longtemps qu'il a observé, les gens se sont moqués de toi. Les gens ont fait des coupes. Toi, tu es resté fait. Tu t'es resté attaché à l'Éternel. Tu es resté attaché à ton Dieu. Eux, ils pensaient bien faire. Ils pensaient en train de te narguer, se moquer de toi, essayer de te rabaisser en te faisant croire que tu perds ton temps priant. Mais Dieu te dit, lui maintenant, il arrive. Oh my God. Lui maintenant il vient. Et tout le monde, je viens te dire de la part de même. S'il y a quelqu'un qui peut voler, Dieu va exposer les choses. S'il y a quelqu'un qui, et tout le monde, qui abusait de ta confiance, Dieu va exposer les choses. Lorsque lui, Dieu, il arrive, il dit il vient comme un feu pour purifier. Quand on purifie une chose, on lui donne plus d'éclat, n'est-ce pas? Maintenant imagine, on prend ce qui n'est pas de l'or. Et puis on ne fait pas sauver. Ça ne brûlera pas. Dieu voit, tu sais comment Dieu voit ce que les gens, les méchants appellent la gloire. Ils voient ça comme du chaud. Ils voient ça comme du fouet.
bon, c'est une probation de 8 fois. Tu vois ça comme balai. Tu mets un balai dans le feu. Ça ne tient pas. Amen. Amen. Ce que je te fais comprendre ce soir, tu sais, ce message vient provoquer un réveil financier. Ce message va t'amener à ne plus douter, à ne plus cracher sur le beurre. Mais ce message va te dire que Dieu regarde ta manière dont tu considères le beurre et c'est ta considération du beurre qui l'active, lui. Alléluia. Il dit, il vient. Et lorsqu'il vient, qu'est-ce qu'il dit encore? Hein? Il dit, il sera comme le feu du fondeur. Est-ce que tu as vu une fonte? Tu as vu comment on fait les matériaux précieux? Comment on fait les trucs comme l'or et tout? Le fondeur, il prend du feu. C'est comme tu sais, c'est un liquide de feu. Incandescent. Il prend ça. Il met dans un truc. Il a frappé les gants. Il met ça dans une pièce. Et le gars, il tape. Taper, taper. En fait, Dieu dit, quand lui il arrive, ce qui est pour lui en toi, mais qui n'avait pas encore sa véritable valeur, lui va venir redonner la valeur. Ce que je vais t'annoncer, ce message que je te prêche, c'est un message prophétique qui vient te dire, au milieu de ceux qui se moquaient de toi, tu vas commencer à rayonner. Au milieu de ceux qui disaient que ton Dieu n'est pas vivant, tu vas commencer à prier. En fait, ce message vient te dire, qu'au milieu de ceux-là même qui disaient que ton Dieu n'est pas puissant, lui maintenant, il va commencer à te faire rayonner. Le vêtement de richesse, c'est un vêtement qui, lorsqu'il est sur toi, tu ne peux pas passer inaperçu. C'est pas possible. Tu sais, c'est un vêtement qui fait vibrant, éclatant. La gloire était cachée. La richesse divine. Écoute-moi, quand on parle de richesse, on ne voit pas forcément l'argent. Quoique ça puisse être de l'argent. Mais en fait, Dieu peut t'enrichir de contacts. Dieu peut t'enrichir de connexions. De sorte à ce que tu peux avoir un problème et lui prendre un seul numéro et te prendre son ami. Il y a des gens sur la terre qui n'ont pas forcément l'argent physique. Mais le nombre de gens à qui il a rendu service, en connectant telle personne à telle autre, le jour où il y a un problème, n'as-tu pas remarqué, souvent tu avais des challenges. Mais tu n'as pas pris ton téléphone pour appeler. Tu dis non, pour ce problème-là, je ne vais pas appeler. Je vais attendre. Mieux non. Tu dis non, ce problème-là, c'est trop petit. Je ne vais pas gaspiller la paix. J'attends. Pour un autre problème plus grave, je sais qui appeler. Parce que tu sais qu'il y a des gens. Un jour, on m'a raconté une histoire. Un jour, un enfant qui est venu voir son papa. Il dit, papa, donne-moi 300. Son papa dit, je n'ai pas l'argent. Comment t'as pas l'argent? Tu es milliardaire, il dit je n'ai pas l'argent. Il dit mon papa, 500, il dit je n'ai pas l'argent. 1000 francs, il dit je n'ai pas. Bon, papa, et je n'ai venu encore. Papa, j'ai 5000, il dit je n'ai pas l'argent. Hey, papa, j'ai l'argent, il dit je n'ai pas 5000. Il est parti, il est revenu encore un jour, papa, donne-moi 10 000, il dit je n'ai pas. Et tu es parti, puis il a vu une voiture, papa, j'ai vu une voiture acheter, il dit j'ai l'argent pour acheter la voiture. Il y a des montants que tu ne comprends pas. Est-ce que je peux l'attendre? Attends, est-ce que je peux te parler? Il y a des montants, tu dis à Dieu. Il se dit, comment à ce niveau tu peux lui dire ce montant? Papa, je viens de déménager, mais j'ai allé dans le cycle bois. Il m'a dit, il ne comprend pas ce langage. Tu habites dans une deux pièces, maison tu. Comment tu peux redescendre pour aller dans maison bois? Il ne comprend pas ce langage. Tu as un problème avec ça. Tu as un problème avec un langage qui les limite. Moi, le jour où tu m'as dit interdit que 50 000 arrive, moi j'ai eu peur. Mais il dit j'ai un langage, j'ai un nouveau langage que je parle avec toi. Des fois là, on est limité parce qu'on a peur. Tu as un langage. Attends, supposons que ton enfant vient te voir, papa, donne-moi 200. Tu vas dire je n'ai pas si tu as dit 10 000. Je n'ai pas 200. Donc, tu n'as pas. Est-ce que tu as 200? Tu as un bien. Parce que tu ne vois pas casser 10 000 à cause de 200. Donc tu dis que je n'ai pas. Il va penser que tu es méchant. Tu n'es pas méchant, tu n'as pas. Papa, dans mon 5 000, il dit ok, je vais faire la monnaie pour toi. Parce que ça me tient de venir vers moi. Tu honores Dieu en fonction de comment tu embrasses ah, le chapeau. Tu honores ton père en fonction de la valeur que tu donnes.
quand tu pries, à te prier pour les miettes. Arrête de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, j'ai l'honneur de solliciter ta haute bienveillance. Et Seigneur, si je me donne, il te rembourse. Si je me donne, il y a payé dîme, Seigneur. Dis ma main, il doit 3 mois, c'est pas grave, il y a payé. Je te rigole. Amen. Amen. Dieu dit, il vient avec le feu du fondeur. Il vient. Amen. Afin de pouvoir faire quoi? Passer ce que tu as au creuset, ce que tu as au feu, les 500 que tu as, tu ne veux passer ça au feu pour que les 500 rien zéro s'ajoute. Abrasse-moi. Écoute-moi, Dieu veut te. Oh, tu sais, quand le Seigneur parlait de ce message, il dit le message que je donne, plus personne ne sera pour s'ils ont compris. La richesse, ce n'est pas le fait d'avoir les poches remplies, mon ami. Tu te dis la vérité. La véritable richesse, c'est pas. Tu ne considères pas celui qui est riche parce qu'il en a. Je considère celui qui est riche en fonction de l'alliance qu'il a avec Dieu et de la considération qu'il a. Tu ne peux pas dire que tu es riche. Selon les hommes, tu es riche et puis tu n'as pas. Pour eux, tu n'es pas riche. Jésus était l'homme le plus riche de la terre. Bon, il est, à lui appartient l'or et l'argent. Il n'avait pas l'argent sur lui. Judas était son trésorier. Mais qui devait payer les impôts? Il dit, Pierre, la terre m'appartient. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent sur moi. Va pécher. Ma prière, je déclare dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu soit tellement réelle. Au point où ta famille te demande comment tu as fait, tu leur diras, j'ai un vêtement de ma vie. J'ai un vêtement sur moi. Alléluia. Amen. Hey, écoute-moi bien, je vous dis une chose. Déjà, quelqu'un n'est pas peur. Ton Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il dit, écoute-moi maintenant. Il dit, qui restera debout quand il paraîtra? En fait, comment est-ce que tu verras que lui paraîtra? C'est lorsque toi tu paraîtras. En fait, tu sais, quand Dieu dit qu'il paraîtra, lui on ne le voit pas, mais toi on te voit. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus, d'ici jusqu'à la fin de l'année, ton Dieu apparaîtra. Ton Dieu paraîtra. Quand lui il est présent, c'est toi en voit. Tu sais pourquoi et comment je peux le savoir? La Bible dit, dans l'une des Genèse, dans l'une des autres paroles, il a dit à Moïse, va parler au peuple d'Israël. Il dit, je suis désiré Moïse. Josué, j'ai entendu mes cris que me vont pousser qui? Que vont pousser les Égyptiens à mes enfants. J'ai entendu et j'ai fait quoi? Je suis descendu. Quand tu es descendu, qui on a vu? Moïse. Quand Jésus a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Les gens pensent qu'ils allaient voir quelqu'un appeler Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit parle, est descendu, qui ils ont vu? Ils ont vu Pierre. Quand Dieu dit, je parais, c'est toi qu'on voit. Amen. Je viens te dire, au travail, Dieu paraîtra. Je viens te dire, oh my God, dans ta famille, l'éternel paraîtra. Dans ta situation, l'éternel paraîtra. Je viens pour prophétiser sur ta vie, la gloire de Dieu paraîtra. Les gens s'attendront à le voir, mais quand ils regarderont, c'est toi qui seras dans le marché. Je déclare un rayonnement plus glorieux que celui que tu avais. Je déclare un rayonnement plus glorieux. Au travail, ton Dieu paraîtra. Alléluia. On dit bien, Amen. Marachata la brise, Veli Amandos. Il sera comme le feu du fondeur. Marachata. Quand il dit qu'il sera comme le feu du fondeur, ça veut dire quoi? La gloire dans laquelle il va te faire entrer. Quand tu seras en face des personnes qui n'ont pas de ça. Ce que tu vas sera comme un feu qui va éteindre. Amen. Et puis moi, si quelqu'un travaille avec toi, ou si quelqu'un est plus riche que toi par rapport à des médicaments ou des alliances avec les esprits, je viens t'annoncer de la part de l'éternel Dieu que tu vas paraître et les ennemis vont disparaître. Amen. Lorsque la gloire de Dieu paraît, on oublie. Et puis moi, il y avait des prophètes en Israël, mais quand Élie a paru, on les a oubliés. Quand
quand une gloire supérieure apparaît, on oublie l'autre. Et je vais te dire de la part de Dieu, l'éternel paraîtra. Il paraîtra. Au nom de Jésus. Il dit, comme la potasse, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il va purifier les fils de Lévi. Qui sont les fils de Lévi? Les fils de Lévi sont les sacrificateurs. Autrement dit, Dieu dit, quand sa gloire va paraître, on va respecter les fils de Dieu. Tu peux être chrétien, appelé à servir Dieu, ou encore à connaissant Jésus, et puis on ne te respecte pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Imagine, tu es un chrétien, on travaille, on te parle n'importe comment. Parce que la personne qui te parle a plus de moyens. Imagine, tu es un chrétien. On dit, il a fait du bois arrivé, tu gardes la tête devant le propriétaire. Et tu vois les vies dans 3 mois. J'attends quelque chose dans ça a conduit. Le Dieu que nous adorons, soit il est réel, soit il n'est pas. Non, soit il est, soit il n'est pas. Imagine combien de chrétiens vivent à crédit. Combien d'enfants de Dieu vivent à crédit? Imagine. Crédit pour se déplacer, crédit pour manger, crédit pour le travail. Et puis, ces mêmes chrétiens voient des enfants du diable. Pourquoi je les appelle enfants du diable? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Le gars, facilement, il ne sera pas devenu brouteur, il sera pour un marabout, il envoie dans les dégâts. Il attache la personne et chaque mois, et chaque fois qu'il veut l'argent, il n'a qu'à payer, l'argent vient. C'est un fils du diable. Maintenant, toi qui adores Dieu matin, midi, soir, pour manger, c'est compliqué. C'est bien quelque chose que je n'ai pas vu. C'est pas normal. C'est pas normal. Arrêtons de fonctionner comme les gens de ce monde. Écoute-moi, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est pas ça? Amen. Mais la même Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tout le monde peut travailler et manger, mais tout le monde n'a pas la bénédiction de l'Éternel. Amen. Tu peux travailler et manger, mais tu peux ne pas avoir la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'une bénédiction qui vient de Dieu, il n'y a pas de chagrin. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'épreuve, mais il n'y a pas de chagrin. La bénédiction ne fera pas pleurer. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas normal, bien aimé, je vous dis devant Dieu. Ce n'est pas normal qu'un chrétien puisse lutter. Il lutte, il bataille, il lutte. À un point où il se dit, hey, comment je fais? Tu sais quoi? Un jour, j'ai dit à Dieu, je refuse. C'est quoi tous mes habits? 1000 francs. Hein? Et je sors des songes. Où j'étais bien habillé, je montais d'un bac dans le songe. J'ai dit, esprit de pauvreté, je peux maudire. Non, il y a des songes, il faut maudire. Moi, tu fais songe. Toi, d'habitude, tu prends soit un Yango, ou un taxi, tu te retournes bac. Il faut maudire ce songe. Non, j'ai dit la vérité. Ou bien tu fais un songe, il te donne 100 francs. Il faut maudire. Pourquoi tu te pourquoi? Il y a des gens qui s'arrivent. Tu donnes la nuit et puis de mon rêve, il me donne 5 francs et 100 francs bien. 500. Fille, ta machata. Si je te connais dans mon rêve, tu me réveilles, tu as promis un mot. Alléluia. Il dit qu'il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Tu sais, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Oh, maintenant. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable. C'est qu'il veut dire que tant que tu envies le méchant, ton offrande n'est pas agréable. Il dit qu'il va purifier afin que ton offrande devienne agréable. Écoute-moi, arrête de vous dire une chose. Et on va prier. Tu sais, il faut m'écouter. Et je l'ai dit la dernière fois, je le redis encore. Tu vas venir à l'église. Jeudi, bien dimanche. Et puis le premier bien qu'on t'approche, il y a des gens qui sont experts en détection de lui. Et ils touchent. Dis ça, c'est 500. Ça, c'est les 1000 francs de mon garba. Ça, c'est les 2000. Comment il fait? La personne qu'ils en font, hein? Ou bien il est dans les pieds et puis il regarde la taille. La personne qu'ils en font, hein? Dieu dit ton offrande doit être agréable à Dieu. Écoute-moi, est-ce que tu sais que dans l'offrande, il y a une guérison, il y a une délivrance? Beaucoup de gens ne comprennent pas.
que dans, l'offrande que tu apportes, c'est la même chose que les Abraham apportait à Dieu. C'est la même chose que les Josué apportaient de l'île. C'est des choses que tu prépares avant de venir. Amen. Tu dois préparer. De même que tu te réveilles le matin, tu te brosses, tu te laves, tu te prépares avant de sortir. Tu vas venir adorer Dieu sans préparer. Non, je vous dis la vérité. Lorsque tu vas commencer à préparer ton offrande, tu vas prendre aussi la peine de te préparer ta bénédiction. Jésus a dit dans Jean 6, il dit, ils veulent manger, préparez-les à recevoir la nourriture, faites-les asseoir en or. Organise tes offrandes. Organise. Et puis un conseil que je donne. Moi, c'est un homme de Dieu qui a dit, puis j'ai adopté depuis des années. Un conseil que je donne. Tu sais, dans ton portefeuille, il faut placer l'argent en ordre. C'est un conseil. Pour les gens qui ont pensé à vous faire tout de suite. Non, sinon, mon ami, c'est un conseil. Classe en ordre. Classe en ordre. 20 000 ici, 500. Après, classe 500 000 francs, 2 000, ainsi de suite, 10 000 euros, dollars, ainsi de suite. Classe en ordre. Amen. Tu sais, l'argent, Dieu dit, tu ne peux pas adorer Dieu et maman. Et les dieux. L'argent, c'est un esprit. Je n'ai pas dit d'honorer, non, mais j'ai pas dit de faire l'argent comme si c'était Dieu. Non, mais en moi, il faut respecter l'argent. Imagine que tu donnes l'argent et puis froisse cette ignore. Bon, tu apprends, mais c'est chaud. Mais tu as dit, mais pourquoi je ne donne pas normalement? Mais que tu donnes l'argent, sa main gauche. Peut-être que la personne, peu importe, tu apprends. Oui, c'est pas vrai. Mais tu seras déshonoré, tu t'as senti frustré, c'est un manque de respect. Amen. C'est pourquoi quand tu viens au culte, pourquoi tu forces l'argent? Je vous dis, si tu dénies, s'il y a des gens qui quittent en France un euro, il ne va pas forcer. Il va venir, en fait, tu sais, tu dis, attends, on va l'appeler le boutouré. Amen. Tu sais, écoute-moi le conseil que je te donne. Honore les choses de Dieu afin que Dieu t'honore. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, non, je vais mettre dedans, beaucoup d'entre nous, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas. Mais Dieu dit, assieds-toi, fais, place les choses en ordre. Il y a des gens ici, écoute-moi, il y a des gens ici. Il y a des gens ici, là. Ils m'ont dit, c'est difficile. Je dois payer mon loyer, je dois payer la facture, je dois payer, l'école, faire ci, faire ça. Et puis donc on est la dîme. Non, tu dois commencer par d'abord donner la dîme. Maintenant quand tu en es la dîme, tu enlèves 10%. Supposons que tu as 200 000, tu enlèves les 10%, ça fait 20 000. Les 198 000 qui restent là, tu dois payer ton loyer. Tu dois payer. Mon ami, écoute-moi, je te parle de la part de l'Éternel. Ton salaire est. Dieu fait exprès, ton salaire ne va jamais te suivre. Non, je t'ai dit la vérité, il y a des gens qui travaillent ici. À l'école d'Engote dit, l'homme le plus riche d'Afrique, le salaire, c'est juste pour tenir 30 jours. Peu importe ton salaire. Tu ne veux pas dire, moi si un salaire est 10 millions, demande à ceux qui ont 10 millions, ils ont problème des millions. Non, oui ou non? Ceux qui ont 20 millions, parce que tu ne peux pas accepter de travailler, une autre ne peut pas t'accepter. Moi, tu as 20 millions, tu as l'habitat, c'est pourquoi? Pourquoi? Tant que tu vas vouloir, ta maison sera cassée tout le jour. Mais tu dois avoir le standing de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Amen. Quand tu vois M. Yoman, je suis content de le voir, il est rayonnant, il est bien frais. Sa forme est bien fraîche. On peut sourire, ma vie. Ah, voilà. Eh, Valérie, dis-moi, moi, non. Amen. Amen. Écoute-moi. T'as dit que toi, un conseil, toi, tu as 200 000. Enlève 20 000 pour la dîme d'abord. Quand tu enlèves la dîme, c'est que tu fais ce quoi? Écoute-moi. Tu as tes charges, ça ne vaut pas, ça dépasse. Mais bénis l'Éternel, rends-lui grâce. Dieu s'assure que ça ne suffise pas afin que tu dépendes de lui. Non, je vous dis la vérité. Beaucoup n'ont pas compris que Dieu ne va pas faire exprès que tu es peu.
afin que lui vienne multiplier. Non, Dieu s'assure. Dieu m'a dit la vérité. Toi, tu enlèves 10%, moi, j'enlève toujours 30%. Il y a des gens, écoute-moi, bien mes ennemis vont être pour s'organiser, prophète, au nom de Jésus, que l'esprit qui t'a animé. Non, mais c'est la vérité. Écoute-moi. Quand tu prends ton salaire, dans ton salaire qui n'est pas beaucoup, il y a la gloire de Dieu. Il y a celui qui doit venir et purifier et multiplier. Il y a celui qui doit venir manifester sa gloire. Tu as dit, mais c'est, non, ce n'est pas la magie. Tu prends ton salaire, tu enlèves la dîme. Après la dîme, prépare ton offrande. Dieu sait que ça ne suffit pas. Toi, tu sais, le diable sait. Que ça ne suffit pas. Ton patron sait. À quelle personne qui savent. Ton patron sait que ça ne suffit pas. Tu négocies l'augmentation depuis ton temps. Lui, il se négocie. Il sait que ça ne suffit pas. Tu sais que ça ne suffit pas. Dieu sait, le diable sait. Il y a au moins 5 personnes qui savent. Mais comment, malgré le fait que ça ne suffit pas, Dieu te dit, enlève tes dents pour tomber. C'est que Dieu compte sur autre chose. Ou non. Si Dieu ne compte pas sur autre chose, c'est que Dieu est un Dieu qui nous met dans des problèmes. Or, Dieu ne crée pas des problèmes. Il veut que tu dépendes de lui. Quand Israël sort d'Égypte, Dieu fait exprès, il y a une eau amère. Pourquoi Dieu ne peut pas l'autre? Parce que Dieu veut que chaque problème t'attire vers lui. Mais tu n'as pas compris. Et quand on va venir de jeudi en jeudi, quand on va arriver sur la dîme, Dieu m'a dit, vous êtes frappé par la malédiction. Quand tu ne donnes pas la dîme, quand tu ne donnes pas, il y a une malédiction. Ce n'est pas que Dieu te maudit, mais la malédiction, c'est quoi? Les problèmes de la vie t'arrivent. C'est ça la malédiction. Amen. Là, peut-être des génies qui viennent en parler. Mais ce que je te fais comprendre, écoute-moi, est-ce que tu sais qu'une offrande couvre des péchés? Est-ce que c'est que l'offrande que tu fais, l'offrande a un poids devant Dieu? Est-ce que c'est que l'offrande a une valeur devant Dieu? Des fois, tu me dis, mais offrande là, il y a tout le ciel, il s'en fera. Mon ami, si l'offrande n'a pas de valeur à toi, tes yeux, la Bible dit, ne viens pas offrir à l'Éternel ce que tu ne peux pas offrir au roi. Est-ce que tu me suis? Ça, on parle d'offrande. Ne viens pas donner à Dieu ce que tu ne peux pas offrir à ton chef. Si ton patron ne peut pas te donner quelque chose comme ça, pourquoi c'est à Dieu que tu peux donner? Dieu peut rejeter ça. Ça, c'est juste l'offrande. Dieu dit, tu ne l'as pas considéré. Tu as considéré plus l'homme que lui. Tu imagines? Si tu ne peux pas offrir n'importe quoi, ton patron est un homme qui sait que tu n'as pas beaucoup. Mais imagine Dieu. Tous les dimanches, je viens t'adorer. Il dit, non, ton offrande n'est pas agréable. Il dit, maintenant, l'offrande de Judas sera agréable. Quand tu sais l'offrande de Judas, c'est quoi? Judas signifie adoration. Une offrande est une adoration. Tu ne peux pas dire, j'adore Dieu et je lui apporte quelque chose qui. Bon, mais si on me donne, je refuse. Dieu dit, je n'agrée pas ça. Non, je vous dis la vérité. Si je ne te dis pas ça, je te fais du mal. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas venir adorer Dieu. Pourquoi est-ce que dis-moi, tu fais ça pour venir? Parce que tu viens adorer Dieu. Mais pourquoi quand tu. Pourquoi tu ne prends pas 200? Tu dis, non, tu es une grande dame, tu es un grand monsieur, tu ne vas pas te promener. C'est toi, tu es prêt à te mettre en valeur. Pourquoi le Dieu que tu adores, tu le déshonores? Non, je vous dis, beaucoup de gens ont leur vie bloquée juste au niveau de l'offrande. Là, on n'est pas encore dans 10, mais offrande. Offrande juste. Là, on ne parle pas de la dîme, parle juste d'offrande. Dieu estime, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, quand tu envoies l'offrande, si la bête que tu envoies a même un pied boiteux, Dieu ne prend pas. Ton pied, écoute-moi, je vous dis une chose, c'est parce que Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Tu peux aller à la banque, prendre de l'argent, et puis il y a des pieds déchirés dedans. Ce n'est pas ta faute, tu ne sais pas. Mais les gens qui savent, ils disent, ah, au moyen de vous ça, les gens comme ça, là, il ne faut pas jouer à ça. L'homme de Dieu n'a pas vu, mais Dieu aussi l'a vu. Ne joue pas avec ça. Tu vas attirer ce que tu oublies, la bénédiction est de génération en génération. Tu vas attirer un problème qui peut affecter tes enfants. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ça vient. Tu mets l'Éternel, tu les mets en porte-à-faux avec Dieu, juste parce que tu as déshonoré Dieu. Là, on parle de l'offrande. On parle de l'offrande. Il ne faut pas jouer avec ça.
L'offrande a ouvert plusieurs portes aux gens. Parce qu'ils ont pris le temps de préparer l'offrande du dimanche. Peut-être que tu as 500 francs par jour, chaque deux jours. Enlève 200 mains de côté. Enlève mains de côté. Tu dis que Seigneur, je vais t'adorer dimanche. C'est une adoration qui monte à Dieu. Parce qu'il t'a gardé toute la semaine, tu viens exprimer ta reconnaissance. Il dit, lui, il a donné plus de valeur aux yeux des gens. Amen. Beaucoup de gens, on n'a pas de problème de promotion, on a juste un problème d'adorer l'éternel avec nos pieds. On a juste ce problème-là. Et des fois, ce n'est même pas le diable, des fois, c'est Dieu qui nous bloque. Parce qu'il dit, mais si tu as un problème à adorer Dieu avec ton offrande, alors que tu n'as pas encore 1 million, quand tu auras 10 millions, tu vas trouver que tu es trop gourmand. Alléluia. Dieu veut nous faire du bien. Mais si nous-mêmes, nous ne réalisons pas ce que tu veux faire, Dieu n'aura aucun problème. Nous serons bloqués nous-mêmes. Amen. Comment ce soir tu vas parler à Dieu? Et même Dieu ne vient pas t'accuser. Il ne vient pas te condamner. Mais il vient juste te dire. Lui, il veut épurer. Il veut enlever la fausse peau qui est dessus afin que la véritable gloire puisse sortir. Il ne veut pas que les gens de dehors se moquent de ses enfants. Mais quand Dieu regarde ses enfants eux-mêmes se moquent d'eux. Seigneur, l'argent que je n'ai pas beaucoup, Dieu sait. Le diable sait, mais malgré ça, il dit, enlève papa. Il ne compte pas sur ton patron pour te bénir. Il ne compte pas sur ta patronne. Il ne compte pas sur ton parent. Il ne compte pas sur eux. Si Dieu comptait sur des gens que tu connais, c'est qu'il est trop limité. Il n'a pas de limites. La nuit, quand tu dors, ton maman dort, ta maman dort. Qui vous réveille? L'éternel. Quand il comptait sur quelqu'un, il sait qu'il n'a pas. Même s'il pense avoir, Dieu connaît la source de ses revenus. Tu ne partages pas sa gloire. T'imagines, un gars qui va donner, te dit, je vais te donner l'argent. Demain, ton nom est gâté. Même pas ton nom, le nom est ton Dieu. Va dire, t'as été chrétien. C'est du monde. Un jour, il va parler. Un jour, il va parler. Amen. C'est pourquoi, honore l'éternel avec tes biens. Honore-le. Et ne te plaît pas. Arrête de te plaindre. Amen. Arrête de te plaindre. Ne te plaît pas. Tu te plains pourquoi? De quoi n'es-tu pas capable? Regarde un peu ce que tu as fait dans les années passées. Et puis regarde où tu es. Malgré les menaces de mort des sorciers, tu es. Malgré que tu as fait des rêves, on t'a poursuivi, tu es tombé dans tout. Tu es là, en 2024. Malgré tout ce qu'on a dit, malédiction, papa, maman, tu es là. C'est ceux-là qui t'ont motivé et qui ont pris le nom aujourd'hui. Avec ça, tu dis, l'éternel n'est pas capable. Tu as dit, mais on te dit, je n'ai pas dit. Dans ton attitude, tu le dis. Dans ton attitude, tu le dis. Et le programme du Père est arrivé le 17 et 18. J'ai pris le loyer du ministère, mon loyer, j'ai mis dedans. Le reste, là, c'est Dieu qui. Tout ce que j'ai, je mets. Parce que je sais la grâce. Mais je ne t'appelle pas pour dire, hé, j'ai mon loyer, j'ai le loyer du ministère. J'ai appelé quelqu'un pour te laisser. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Bon, il a payé. Si c'est Dieu qui m'a payé, c'est lui qui a voulu. Il sait que même si elle m'a fait, tu vas me demander, alors si tu as payé le loyer, paye, si tu fais pas. Non, je ne veux pas compter. Amen. Écoute-moi. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Moi, je vis à la foi. Non, je vous dis, il y a combien d'années je vis par la foi? Je vis par la foi. On dit, c'est venu. Bienvenue, Dieu, c'est pas venu. Il était là, ça a venu. Je dis, ça a duré. Ça, pourquoi ça va venir? Tu m'as appelé, tu m'as montré des choses que mes yeux n'ont pas vu. Pourquoi ça va venir? Ça a venu. Non, je vous dis la vérité. Pourquoi tu parles? Attends, tu parles pourquoi? Et le mois est fini. Mais le mois fini. Le mois fini. Au lieu de laisser. Vous pouvez faire. Il appelle quand le 10. Oh, c'est entre le 5 et le 10, on t'appelle, il y a un problème. Il y a ceci, il y a cela. Amen. Maintenant, toi, maintenant, hey, Seigneur, éternel, je t'aime, je te loue. Je t'adore, je te promets. Si tu m'as donné, tu donnes ta part. Si tu me donnes, Dieu sait que tu mens. Satan sait que tu mens. Toi-même, tu sais que tu mens. Regarde des fois où ton argent n'a pas suffi, mais tu as bien mangé matin. Tu as mangé. Pourquoi des fois on oublie ça? Pourquoi des fois on oublie les moments de délivrance?
Et puis quand c'est un peu chaud, on commence à pleurer. Dieu dit, mais il est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi tu peux? De quoi? Pose des ennuis. De quoi tu peux? Tu as peur de quoi? Attends, moi, voici mon fils descend. Le premier jour, je l'ai vu. J'ai dit mon fils. 2017, je crois. Je lui ai dit mon fils. Quand on t'a frappé, fais la dîme. Je lui ai prié. Il a honoré Dieu. Et je lui ai dit, Dieu m'a dit, tu vas jamais payer mes avions. Moi, il ne travaille pas dans l'ambassade. Je ne connais pas ton sou. Je dis, jamais. Mais voici, tu es bien payé. Ah, jamais. Les gars, ils voyagent, ils sont morts. Tout le monde dit, bon, bien, maintenant, tu as venu prophétiser, maintenant, si mon père, la grâce s'est accumulée sur toi. Amen. La grâce de Dieu est là. Si le Dieu peut prendre soin, il y a beaucoup de gens qui vivent des témoignages. Il y a beaucoup. Je n'ai pas cité les gens, mais il y en a plein. D'une manière, d'une autre. Bon, maintenant, si tu attends d'avoir 10 milliards pour que l'on doit la Dieu, c'est que toi, tu es le plus pauvre ou la plus pauvre. Non, mais c'est vrai. Bénis Dieu pour ce qu'il fait au quotidien. Rends-lui gloire. Alléluia. La grâce financière est trop ici. Mais combien saisissent? C'est celui qui est devant ne vit pas pour avancer. Pourquoi tu veux? Aie confiance en l'éternel. Au moins, si moi j'appelais tous les jours, on dit à la prophète, la grâce sur les achats. Tu n'appelles pas. Tu n'appelles pas pour te demander à payer. Il n'y a pas qu'à aller des dîmes pour dire, on te poursuit, non. Il ne fait pas ça. Ceux qui font, je bénis Dieu pour eux. Chacun a reçu son appel, son truc. Mais pourquoi tu luttes? Tu as trop peur. Tu n'as pas confiance en l'éternel. Pourtant, la nuit, tu te réveilles. Ma tête, je la hais. Comment on va pour manger? Il dit, mais tu vas manger. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Prépare ton offrande. Dis-lui, à partir de maintenant, honore Dieu en préparant ton offrande. Prépare ton adoration avant de venir l'adorer. Amen. Tiens dans le monde. Les juifs, ils vont se laver les mains, se purifier avant d'aller voir Dieu. Les musulmans, ils vont. Il dit, toi, prépare-toi avant de prier. Tu vas prier le Seigneur. La parole t'a fait du bien ce soir. C'était juste l'introduction pour jeudi prochain. On va aller en profondeur. Je te parlerai aussi de l'homo. Comment l'homo peut provoquer. Faire du bien à ceux qui ne peuvent, à ceux qui n'ont pas l'homo. Moi, c'est mon alliance avec Dieu. Non, c'est mon alliance avec Dieu. Chaque fois, on fait cœur de paix. Je lance l'appel, ceux qui peuvent, ils font ce qu'ils peuvent voir. Mais chaque fois c'est fait, tu te poses pas la question, comment ça se fait? C'est la grâce. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, purifie-moi, afin que je puisse t'honorer, afin que je sois agréable à tes yeux. Marachatalabé. Purifie-moi, papa, afin que je sois agréable à tes yeux. Les vrais chèvres, les avalans, sont allés à mandérer la roche. Je veux que tu paraisses, papa, afin que ta gloire au travers de moi soit visible. Oh, papa, je lutte trop. Il y a trop de lutte, papa. Je suis fatigué de lutter. Je veux m'asseoir, papa, à tes pieds. Et commencer à apprécier ta grâce et de l'être Dieu. Donne-moi d'être reconnaissant. Donne-moi d'être reconnaissant, éternel. Je peux que tu me donnes. Peut-être que le peu n'est rien à mes yeux. Mais je sais, tant qu'il y en a qui n'ont pas. Oh, Gabra, Chenelia, Magolo, Sopalia. Rababa, Rebo, Chatelelia, Mama, Sopalia, Baba. Erebo, Chata. Arababa, Chegede, Rimayam, Dibigi, de l'eau, Chatelaria. Les bras que me lia mandolo, chèque, rimayam tiki de l'eau, soubalia bracha de la lia, brise me lia mandolo, chade la lia, brise me lia mandolo, chade la lia, cade le prenelo, rababa,
Rimayam debilo shadala liyagara musumaria. Ringali amarabo shadala bring. Oh, accorde-nous ta grâce, éternel Dieu. Nous ne voulons pas le vêtement de pauvreté. Nous ne voulons pas nous accuser, nous comporter et marcher comme des gens pauvres, papa. Comme des gens qui ne connaissent pas les dieux. Comme les gens qui n'ont pas de Dieu. Mais nous voulons, oh éternel Dieu, réaliser la grâce que tu nous donnes. Oh, malabri, chadalabri, loring, amandolo. Rimama yal sege dege 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 dege. Rimama yal sege dege 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 dege. Rimama sukali ya prashige dolo. Rimama yal sege dege 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 dege. Ra ba 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 ba. Rima yal sege dolo shadalale. Rimara kuzubali ya baba she dege 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 dege. Paraje. Ora mama ya tege 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 tege. Italia Garouche, que le bruit de l'eau vient de mordre de l'eau sur Italia. Riches et l'IA, pas de l'eau sur Italia, la vache à la Gatabaya. Oh, tu es fidèle, papa. Tu nous aides à avancer. Et la chata la Gatabaya, oh, tu es bon, tu es fidèle, Jésus. Amen. Écoute-moi, on va prendre une seule prière et on va passer au fond. Il dit dans sa parole, il dit tout le même passage dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 5. Au verset 4, il dit, alors le front de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme au jour, aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs. Les enchanteurs sont les sorciers et les adultères. C'est-à-dire ceux qui vivent dans le péché. Comme ceux qui jurent faussement. Comme ceux qui détiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. Dieu en veut te dire, lorsque tu vas mettre ces choses en ordre et que tu vas commencer à appliquer ça, lui se lèvera contre le mauvais patron. Lui se lèvera contre ceux qui ne veulent pas payer. En fait, tes combats deviendront lui ses combats. Parce que tu as décidé de marcher en justice, de préparer une offrande, de commencer à ne plus t'inquiéter, à ne plus comparer. Au contraire, tu as décidé de commencer à rendre grâce à Dieu. Quand tu vas commencer à faire ces choses, lui, il va se lever contre tes enchanteurs. Lui-même, tu vois la simple offrande que tu vas faire, la simple manière de commencer à considérer le peu va engager Dieu. Tu vas dire à Dieu, hâte-toi, presse-toi, ô éternel. Tu vas prier pendant 2 minutes en battant les mains. Éternel Dieu, empresse-toi, lève-toi contre les méchants.
comme ceux-là même, papa, oh, de Dieu, qui font obstacle à mon épanouissement. Si ton patron voit que mon ne te demande pas, il aurait un problème avec toi. Si ton patron te donne une charge de travail supérieure à celle que tu dois faire et qu'il ne tient pas compte de cela dans ta prière, Dieu va se lever comme lui. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu vas aimer d'avoir commencé à prier, pas tes mains. Alors que j'ai décidé maintenant de commencer à marcher comme tu veux, de commencer à t'honorer avec mes biens, lève-toi comme ceux-là même, papa, qui ne veulent pas mon épanouissement, comme des enchanteurs. Rabaya d'abri. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Ramaya da la gada maya de gede gede. Ele gede 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 gede. Lève-toi, comme cela même, papa. Comme cela même, qui bloque, papa, c'est pas une autre personne. Les gens doivent évoluer. Et puis j'ai décidé de marcher comme il se doit. Lève-toi, éternel. Lève-toi, éternel. Lève-toi, éternel. Voilà, chère Tania. Lève-toi. Regarde le travail que j'ai. Non, pas les chers de me suivre, mais elle ne suit pas. Éternel, lève-toi ma faveur. Lève-toi ma faveur. Arabaya, arabaya, arabaya. La débauche qui est près de l'eau. Arabaya, 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 arabaya. Oh, merci Jésus. Allez, chérie, laisse le Seigneur te louer. Baba, 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 baba. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ta vie au nom de Jésus la grâce de Dieu paraîtra sur toi. Et toi, tu paraîtras au nom de Jésus. Sa gloire se lève au milieu de ceux avec lesquels tu vis. Et toi, tu rayonneras. Oh, je ne dis pas bien, mais. Je déclare le nom de Jésus. À la faveur de ce message, la gloire de Dieu paraîtra. Au travail, elle paraîtra. À la maison, elle paraîtra. Dans tes affaires, elle paraîtra. Dans ta famille, elle paraîtra. Parce que tu décides de l'honorer désormais. Elle paraîtra. Et c'est toi qui paraîtra. Je déclare qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, acclame ton Dieu. Allez, chant de l'amour. Tu vas faire le cœur pendant que c'est quand tu as donné passer. Et tu vas parler à l'enfant. Tu vas dire à l'enfant à partir d'aujourd'hui. Tu vas dire à ce montant. Non, c'est fini. C'est la dernière fois. Tu parles à tes finances. Parle à tes finances. Prends le pied à ce qui est dans ta main. Tu dis, je te commande de multiplier à partir de maintenant. Je ne sais comment ça va se faire, mais je te dis au nom de Jésus, après ce que j'ai entendu, je bénirai Dieu pour le peu. Je bénirai de là pour le peu, et je me préparerai afin que je ne sois plus le même montant. Je verrai la gloire de Dieu se lever. Je verrai sa gloire se lever. Je verrai sa gloire se lever. Rabaya, verrez-vous, chagadabaya. Verrez-vous, chigedegedegedegedegede. Oh, béni sois-tu, Père. Lève ton offrande, Seigneur.
Dans le nom de Jésus, je prie pour nos offrandes. Je prie qu'au nom de Jésus, tu nous donnes de rentrer dans la multiplication divine. Papa, des fois, on a donné la dîme, on a prié pour la multiplication, mais en réalité, l'offrande provoque une multiplication abondante. La dîme, c'est encore autre chose. Et il y a le mot, il y a la semence et les prémices. Ce soir, si là, parle de ce message, papa, nous ne voulons pas être des personnes qui, avec un vêtement de richesse, nous comportons comme si nous avions un vêtement de pauvreté. C'est pourquoi je déclare que ce montant que nous nommons ne sera plus le même montant. À partir d'aujourd'hui, sur la base de ce message, je déclare que nos vies financières changent au nom de Jésus. Nous sentons une dimension de visitation, paix, et ce que nous avons paraîtra. Ta gloire paraîtra au travers de ce que nous avons. Et tous ceux qui ne te craignent pas verront ta gloire et sauront que tu es le véritable Dieu. Je déclare cette offrande bénie et quand on fait cette offrande ce soir, qu'il y ait un déclenchement de miracles, un déclenchement financier, une visitation particulière à la quête de ta femme. Quête de visite, que la grâce te localise et que tu saches que c'est Dieu qui a inspiré son message. Au nom de Jésus, tu peux venir mettre dans l'offrande. Ici c'est l'offrande normale et là l'offrande de soutien au ministère. Arrache de les brins, et les mamaïa de les bouches, dans la brin de l'eau. La mamaïa de les bouches, et les yamaha, et les mamaïos, on a les yamaras de Béria, et les bouches, et les bras de Béria, Ramaïa de. Et les bouches, et les yamaros, Ramaïa de Ramaïa de Béria, Donaï, brins de Béria. Sur la dîme, tu m'as venu pour toi, je vais prier pour toi. Marlon, chapelle la brie. Si tu as une action que je veux poser, une offrande par rapport au programme du 17 et 18, tu peux aussi venir pour moi, je vais prier pour toi. Marlon, chapelle la brie. Et Mariam, tu m'as venu pour la brie. Merci, Saint-Esprit. Amen. Alléluia, tu te bénisse. On a déjà terminé. Je vais juste rappeler pour le samedi, on a un programme à partir de 13h. Le tous les premiers samedis de chaque mois, on a un programme. Et le programme du samedi, ça, le thème c'est l'éternel mon refuge. Il y a beaucoup de fléaux, beaucoup de problèmes qui arrivent ces temps-ci. Les enlèvements et tout. Nous voulons prendre ce temps pour prier pour ça. C'est pourquoi envoie ta famille, envoie tes enfants et tous allons prier. Et viens avec ta bouteille, Gilles, on va prier avec toi la grâce, la protection divine. Repose sur toi. Amen. J'insiste là-dessus. Parce que quand je priais, j'ai ressenti dans mon cœur, il y a beaucoup de problèmes, les maladies, les choses sont partout. Amen. Donc faisons le fort ce samedi à 13h. Soyons là par la grâce de Dieu. Et demain à Commando Matin. Commando Matin, c'est le programme que je fais en ligne à partir de 4h30. Donc, soyez connectés. Amen. Et n'oubliez pas le dimanche, c'est le deuxième dimanche du mois. Et tous les deuxièmes dimanches, on envoie nos dons. Les lui, ce genre de choses. N'oublie pas. Amen. Il faut envoyer tes dons. Et nous devons aussi. Il y a des personnes qui ont fait les 10 jours de prière. Si vous êtes là, venez, on va prier pour vous. J'ai dit 10 jours, du 26 au 4. 26 au 4, ça fait 10 jours. J'ai dit si tu t'engages une fois, il ne faut pas arrêter. Si tu as pris l'engagement une fois, tu n'arrêtes pas jusqu'en décembre. Amen. Ensuite, après l'engagement que tu as oublié avant de faire, il est dit. Amen. Mets-toi, Jésus, ma vie. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, que ta grâce repose sur nous. Que ta main s'étend alors que lui, Père, Seigneur, j'applique ton œil, Père, que ta grâce.
Père, je déclare au nom de Jésus ta grâce parle. Père, exauce les sujets de famille, exauce, donne l'esprit de ta grâce. Et permet que Père, jusqu'à la fin de l'année, les expérimentes ta gloire qui viennent témoigner, qui guident les cœurs. Pendant que je vous trouve, je vois des personnes qui s'étaient éloignées qui reviennent. Je me dis un exaucement de mes effets. Que sa grâce soit pour au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Ok, enlève l'offrande de pouce ici, puis tu retiens le sujet. Tiens, donc, on va prier pour la fin. Amen. Le temps est déjà avancé. Et le dimanche, j'avais reçu comme ça que tous les mois, on devait préparer l'offrande pour soutenir l'homme de Dieu. C'est ce que j'avais reçu à partir du mois d'août, enfant 2000, comment on appelle ça? Non, travailleur 5000, travailleur 10000, tous les mois. Et le Seigneur m'avait dit que c'est vraiment la grâce qui nous fait à tout le monde afin que nous puissions expérimenter son règne. Donc je vous exhorte, amen, à pouvoir prendre cela à cœur. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas parler à Dieu selon que tu as reçu. Et lui recommander ta soirée, lui recommander ton retour. Éternel, dans le nom de Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parachatala, parascovania, manuelle, gauche, délivrée. Les bras se valia, mandolo, chatala, mata se valia. Brèche se lia, mandolo, se valia. Pour rab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 a. Les bras se valia, caro, chatala, ba. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, je prie que tu manifestes ta gloire. Conduis-nous ce soir. Vite-nous, éternel Dieu. Donne-nous d'expérimenter ton vie. Seigneur, ma prière ce soir, c'est que la parole que nous avons entendue puisse délivrer dans nos cœurs. Permet que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais aide-nous à devenir ces personnes-là, que toi-même, papa, tu as choisi. Des gens qui vont t'honorer avec le bien, des gens qui vont réaliser la richesse divine dans laquelle tu nous as fait entrer. Père, tu nous as déjà bénis. Nous ne prions pas pour être bénis, mais nous cherchons maintenant, selon ton plan, ta grâce, à ce que la bénédiction se manifeste. Père, conduis-nous. Beaucoup de gens se moquent autour de nous. Beaucoup de gens sont prospérés. Des fois, nous avons oublié. Pardonne-nous, Seigneur. Mais aide-nous maintenant à être des cadeaux par lesquels ta gloire va paraître. Afin que cette fausse gloire que transporte ces personnes disparaisse. Donne-nous de rayonner des rayonnements nouveaux. Et permet que tous les jeudis, nous puissions aller de gloire en gloire dans ce message. Que l'honneur et la gloire se libèrent. Je prophétise que dans ce ministère, cette église, la richesse divine s'attache à la vie de chacun. Il n'y a pas de chômeur ni chômeuse. Il n'y a pas de célibataire. Il n'y a personne qui soit le voyage du noir. Au contraire, permet que nous puissions être des personnes. Père, remplis de ta gloire, tant spirituel, financier, à tous les niveaux. Et donne-nous d'être ceux qui partageons le travail à plusieurs autres. Il en soit ainsi. Au nom de Jésus, je déclare que cette nuit est bénie. Je bénis ton retour à la maison et je prie que les anges raccompagnent chacun de nous. Rendez-vous le samedi à partir de 13h. Je t'assure, tu n'as pas eu de rater ça au nom de Jésus. Et le dimanche à 9h. Amen. Amen.